Salut les amis, c'est Ouloul. Aujourd'hui, on se retrouve sur Mario Kart 8 CTGP Révolution pour faire la coupe Mythe du C. Alors, avant de commencer, je tiens juste à faire une petite critique sur le logo de la coupe parce que je trouve qu'il est quand même assez étrange. Hein. Je ne le connaissais pas avant, autant encore la coupe Chon, Carapace Bleu, Bilbal, tout ça, c'est des objets connus. Mais la Mythe du C, c'est quand même un peu bizarre parce que, certes, elle sait, mais bon, normalement, pour la tenue A et B, ils ont scrimé sur un cercle bleu et rouge, donc là, je me serais attendu. Comme c'est le CIVER, je me serais attendu à un entouré d'un fond vert, mais avec le t-shirt, ouais, c'est un peu bizarre. Mais honnêtement, c'est pas grave, on va faire 4 circuits super, donc c'est parti. Et on commence avec Honeybee Hideout. Waouh, un circuit avec les abeilles, le ruche, les miels, tout ça. Waouh. Alors, les item box sont un peu différents des autres, étonnant. Allez, c'est parti. Et cette fois, quiconque, je veux une étoile. Ça fait tellement longtemps là, après toutes ces coupes avec des classes A, B, C, D, tout ça, oui, c'est un peu frustrant, donc ouais, c'est bien ce que je pense, hein, les... Oh nice, un méga déjà. Par contre, regardez la carte, c'est aussi géant, donc j'essaie de pas faire n'importe quoi. C'est mal barré pour l'instant. J'ai gardé mon... Non, aïe. Ok. Oula, c'est assez dur, hein, le circuit. Allez, hop, c'est parti. Dégagez les abeilles. En plus, j'ai l'impression de les avoir déjà connues dans Mario 3D Land et 3D World. C'est un petit quelque chose. Ok, c'est bien. Oh my god. Je m'en sors déjà comme un prof. Si j'en suis pas déjà un, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Si vous trouvez que je suis un pro, soyez pas trop harsh, mais dites pas non plus que je suis un god parce que je suis pas du tout un god. Hein, si on compare à d'autres joueurs étonnants comme Cole ou Gécha, ouais. Voilà, je suis pas d'autre sens. Voilà. Je ne tirais rien. Déjà, une blouche à les basses, c'était assez vite. Hein. Oui, on est d'accord. L'effet de surprise est créé. Non, mais déjà, oh là là. Super. Bon, quand même, je mets une étoile, donc je vais faire tout pour rester premier et me battre. Oh non, éclair. Waouh. On peut dire qu'on est dans une bonne posture, MTR. Puis il y a Daisy qui est pas loin. 1 minute 11. Ok, bon, le circuit est quand même assez loin. Malgré les objets, on peut dire qu'il est loin. Oui. Ok, je mets l'échelle. Viens, Daisy, attaque-moi. Je serai à me défendre. Et oui, je suis pas une victime. Enfin, je crois. Et hop. Ok, bon. Ce que j'ai pu voir, je crois que... Oh, nice. J'ai terrassé d'abeilles. Oula, j'ai failli me prendre propre fake item box. Ce serait vraiment n'importe quoi. Ok. Oh, non. Bon, ça, j'ai l'impression de sortir un petit peu mieux que le premier tour là, ça a l'air d'aller mieux. En même temps, c'est normal, hein. C'est pas le circuit avant, mais maintenant que j'ai fait un tour, je le maîtrise un petit peu mieux, c'est logique. Bon, là, on peut faire un super shortcut, hein, mais j'ai pas de poche, donc ça sert à rien. Non, ok, ça va. Ok, nice, nice, nice. On est bien. 1 minute 5, ok, 6 secondes de mieux, c'est 6 secondes, hein, c'est pas n'importe quoi, donc c'est une petite victoire. On peut être satisfait du travail qu'on fait. Le travail que je fais, hein, c'est pas vous qui jouez. Même si là, pour l'instant ça va, mais je suis sûr qu'après ça va être moins bien, donc voilà. Oh nice! Je me demande comment elle fait pour apparaître ici. Il a sans doute été percuté par un bitball ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. De toute façon, j'étais pas là, j'étais déjà assez loin, je pense. Ouais. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Si j'ai une étoile, vous devez liker la vidéo, s'il vous plaît. Enfin, normalement, voilà, liker comme ça, mais s'il vous plaît, allez. On tente les dislikes, ça vous va? Bon, dislikes, c'est vraiment pas beaucoup, mais comparé à des chaînes comme PewDiePie, T-Series, hein, dislikes, c'est n'importe quoi. Aïe, coup dur. Je viens de tomber. Ça, c'est mauvais signe. Oh non, puis je ne peux même pas atterrir. Oui. Faut une étoile, absolument. Hein. Je vais faire tout ce que je peux pour. Aïe. Bref, 3.25. Ok. Ah bon, là, la fin, c'était dommage. Je suis trop bavard, c'est ça. Mais n'empêche, le circuit, là, je l'adore. Hein. Il est vraiment super. Allez, passons au prochain circuit. Et allons-y avec Nostalgic Bowser's Castle. Oh oh, le château de Bowser nostalgique. Oh my god, des tombes de Mario Kart 64. Oh génial. Oh là là, oh je sens que ce circuit je vais l'adorer. Oh là là, vite, go go go. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte de faire, je sais pas pourquoi, il a l'air super génial. Waouh, deux tours. Mais regardez-moi ce château. Oh my god. Ah, ça bug un peu, mais ça fait rien.
Waouh. C'est digne de Mario Kart 64, là, les vieux décors. Waouh. Ah, c'est génial quand même. Je kiffe. Ok, je sais pas quel est le chemin le mieux à prendre, mais ça fait rien. Là par contre, c'est ici, il est un peu plus court si on serre le virage. Ok. Waouh. Ah, c'est génial. Alors là, c'est quoi ici? Ok, on dirait c'est des petits champignons. Ouais. Oula, par contre, j'arrive pas très bien à distinguer la route. Ok, ça va, je m'en sors plutôt bien. Non, pourquoi? Vite, j'ai bien temps gagné le. Voilà, c'est ce que je voulais. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est génial. C'est super génial. Regardez sur la map, le bowser squelette n'est pas loin, donc j'essaie de me débrouiller, enfin, de me dépêcher aussi. Ah, mais n'empêche, le circuit, je l'adore. Oh, il est génial. Waouh. Ok, le match elle, c'est bien. Si je peux me défendre. Sinon, je suis ultime. Hop. Oh là là, il y a quand même beaucoup de tours ici. Ok, oh la super arena. On dirait quand même dans Mario Galaxy où on affrontait le boss fantôme. Sauf que là c'est pas un truc stellaire mais plutôt un château. 1 minute 30 pour un tour. Ok, donc ça va faire, j'essaie de faire moins de 3 minutes, ce serait un exploit je pense. N'empêche le circuit, il est génial. Allez, j'ai besoin de Marichel pour la Buchel parce qu'elle est la plus importante. Et en fait non, je la jette. Aïe, j'ai même pas vu que je puisse t'écraser. Oh là là, oh non 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 non, c'est... non non, Bowser squelette, tu me doubles pas. Tu me doubles pas. Non, oh non. Oh non, ça se fait pas. Non, il m'a poussé. Oh, ça se fait pas. Oh non. Ah, c'est méchant ça. Ah, je vais avoir ma vengeance. Il est sérieux là. Oh, il va regretter. Oh oui. Tiens, une white shell. Green, blue shell. Oh là là. Je vais reprendre les couleurs ou loulou. Mais voilà, c'est bon. J'ai pu reprendre mon statut de maître. Aïe. J'arrive vraiment pas à voir, hein. C'est pas possible. Bon, déjà, c'est mort pour. Moins de 3 minutes, mais ça fait rien. Par contre, là, je suis déjà tombé deux fois. Dont une à cause de plusieurs squelettes. Donc, ouais, je vais essayer de faire mieux. Pour les deux autres circuits, il faut vraiment une étoile. Hein. Sinon, je serais vraiment pas content. Ouais. Mais n'empêche, le circuit là, il est génial. On attendait quand même un tout petit peu plus de trucs niveau, par exemple, le synchro et tout, mais. C'est déjà. Avoir ce TGP, c'est quelque chose vraiment de super, donc voilà, je vais pas me plaindre. Hein. C'est très bien comme ça l'est. Ok. Wow, nice. Bon, bah 3 minutes 2, mais ça fait rien. Hein. Le circuit est vraiment super, on est d'accord. Là j'approuve, hein, la coupe, ça a vraiment l'air super. Allez, le prochain circuit. Et enfin, non, le troisième circuit. Le monde glacé d'harmonie de Mario Kart 7, waouh, ils l'ont fait, très très fort, très très fort, waouh, super circuit ça. Let's go, allez, j'ai trop hâte de le faire, je vous jure. Par contre, je me demande si je pourrais faire le choc du début, je sais pas, parce que ça a l'air un peu plus grand. Non, je vais pas le faire, hein. Allez, déjà, je voulais pas tomber. Oh nice, il y a des barres bleues, comme bien fait. Je sais pas si... Oh, what? What? Trop bizarre. Oulala. Ok, bon, là par contre, faut que je fasse n'importe quoi. Plouf. Oh là là, je gère pas du tout. Ah bah en fait, c'est bon. On taille tous un endroit. Ok. Ça, c'est dur de drifter par contre, mais ça va, ça va. Non, en fait, ça va pas du tout, c'est super dur, je vous jure. Ok, ça va. Ah, le circuit, il est vraiment super. Déjà, je connaissais ce Mario Kart 7, alors là... Waouh. Ok, 53 secondes. On est bien. Ça va. Oh là là, plein de bananes. C'est quand même... Non, c'est vraiment dur de drifter là. Comme on est sur la glace, c'est pas easy. Wow. Oh là. Ok, ça va. Attention. Ok, c'est bon. Hop. Cette fois, j'essaie de prendre l'objet qui est ici. Ok, c'est bon.
Hop, la kit unbox, j'espère qu'elle comprendra. Avant que je me prenne pour ce troisième tour, hein, parce que... Oh là là, évidemment, la blue shell pour tout gâcher, hein, comme toujours. Sans elle, Mario Kart 8 ne sera pas Mario Kart 8. Hein. Et tous les autres Mario Kart aussi. Sauf Mario Kart, Super Mario Kart, le premier, parce que... Il n'y a pas encore la blue shell, il me semble. Oh là là. C'est un carnage. Oh, regardez la planète de Mario Galaxy. Ok, je m'arrête là pour pas faire le truc que j'ai fait au premier tour. Ça par contre c'est intelligent je pense. Nice. Oh, petit choc à la fin, mais c'est bien. Là j'ai réussi à maîtriser. Bon, les ordi sont assez loin, ça va, je suis plutôt fier de moi, ça va. Je pense que j'ai peut-être des chances d'avoir une étoile. Deux étoiles peut-être. Oh, trois étoiles, non, trois étoiles c'est impossible. Vraiment faudrait que je sois un pro, super pro, et que je connaisse déjà le circuit. Oh my god, vais-je doubler des îles d'un tour? Attention, attention. Et la réponse est... Aïe, non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, je suis toujours trop pressé. Oh, mais non. Aïe, aïe, éclair. Waouh. Oh non. Oh, je suis dégoûté, là. Mince. Je suis tombé à tous les circuits pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est vraiment pas bon signe. Mince. Faut vite remédier au dernier tour, là. Au dernier circuit, pardon. Et enfin, DK Star City. Wow, stylé, ça. Oh, nice. Bon, par contre, là, il faut absolument que je ne tombe pas, d'accord? Et que je sois premier, que j'ai un peu d'avance, histoire d'avoir une étoile. S'il vous plaît. Let's get started. Allez. Oh, le circuit a l'air stylé. Oh, ça a pas l'air super long, je sais pas. Alors, c'est quoi ça? C'est des objets minces, je sais que c'est des trucs qui faisaient ralentir. Hein. Ah ouais, ils sont formés random. Ok, bien. What? Le signal, du coup, je prends tous les objets. Que des item box ou quoi? Ok, banane. Bon, le circuit a l'air pas mal, enfin, je sais pas. Ah, tranquille. Ok, bon, on va se voir. What? Ok, faut tourner là. 43 secondes, waouh, 8-8-8 à la fin. Ok, bah il est bien. Aïe. Personne pour atteindre cet objet. Il est bien gardé avec une banane et un fake box. Regardez Waluigi. Même si je crois pas que c'était le bon emplacement. Hop, double banane ici. Par contre, je me demande où est-ce qu'il y a des shortcuts parce que sans shortcuts c'est pas trop ouf, je sais pas. D'en avoir, mais sans doute avec des champignons aussi, donc j'ai évité. ...43, 8, 5, 6. Oh non, une bouche, elle, évidemment. Ok, j'ai fait tout pile, genre un peu moins de 30 centièmes de mieux que le premier tour. Vraiment précis ici, alors. Mais n'empêche, j'aime bien le circuit là. Les décors sont quand même stylés. C'est un peu classique, mais c'est bien. Ouais. Puis bah, j'ai pas encore tombé. En même temps, les chances de tomber ici sont quasi nulles. Donc je comprends aussi pourquoi. Ok. On est bien. Évidemment, le pot. What? Gaffe Funky Kong. Enfin bref, 2 minutes 14. Ah non, 2 minutes 15. Mais n'empêche, là, le circuit, je veux pas dire, mais c'était quasi imperfect. Hein. Vous avez vu déjà 15 secondes d'écart avec le deuxième. Limite, j'ai plus d'écart avec le deuxième que le deuxième avec le dernier. Donc là, on peut le dire, c'est un exploit. Bon, allez, les résultats. Allez, il me faut vraiment une étoile. Alors. Classe 2 étoiles. Waouh. Alors là, je suis super content parce que même en tombant 3 fois, j'ai quand même eu 2 étoiles. Donc... C'est vraiment une prouesse, puis ça me fait plaisir parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas eu 2 étoiles. Hein, Alors pourquoi pas une prochaine fois 3 étoiles? C'est ce qu'on verra. Allez, ciao!